J'ai été très flatté qu'on me contacte, hein, parce que ça veut dire que je suis encore à la mode. Je pensais être has-been. Et puis, il se trouve que j'ai fait non pas un livre, mais un livre et un film sur ce sujet. Au secours, pardon, puis l'idéal, qui parle de la dictature de la beauté, du mannequinat, de l'apparence physique, comment notre corps est utilisé, transformé, influencé par une industrie, etc. Bon, donc bref, j'avais l'impression d'avoir des trucs à dire sur le sujet. C'est un hasard et ils ont été très... Comme je cherche l'adjectif exact. Ils ont bien réagi puisqu'ils ont décidé d'organiser non seulement une conférence mais une projection du film à Dublin et j'étais très heureux parce que c'est pas facile pour le cinéma français dans les pays anglo-saxons. Et donc là, il y a eu une première avec le film sous-titré en anglais. Voilà, c'était sympa. Alors déjà, quand j'avais publié Au secours, pardon, j'avais trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de livres là-dessus. En fait, il n'y a pas beaucoup de livres qui disent à quel point ce sujet-là est devenu central dans nos vies. Si je prends quand j'avais 20 ans, il y avait la semaine de la mode à Paris, mais c'était réservé à une élite. Aujourd'hui, la Fashion Week, c'est un événement très très important. On a l'impression qu'il y a des enjeux très graves à chaque Fashion Week. Et puis dans notre vie, moi je vois, ma fille est très perméable aux sollicitations publicitaires et les magazines et les émissions et les Instagram et tout ça. Donc on a l'impression que la mode a pris une place grandissante dans notre existence. Bon, et en plus c'est pas un sujet léger. Ça devrait pas être réservé à une littérature chiclite, style Diable s'habille en Prada. Je pense que c'est... D'ailleurs j'aime bien le Diable s'habille en Prada, le livre. Le livre est un témoignage d'une stagiaire à Vogue qui se venge et qui se défoule, et c'est très, très amusant hein, comme livre. Mais enfin, je trouve que oui, c'est un sujet violent, en fait. La mode, elle nous humilie, elle nous snob, elle nous complexe physiquement. En fait, en gros, ça consiste en quoi ? À montrer des images auxquelles nous ne ressemblerons jamais. Je pense que sur, je sais pas, 99% des gens ne ressembleront jamais à une pub, en fait. Donc la mode participe de ce truc-là, de rabaisser sans cesse les êtres humains, de nous faire rêver d'un truc impossible aussi, puisque toutes les images sont retouchées, truquées, ça traumatise les femmes comme les hommes. Le corps ne ressemblera jamais à cette idéologie. Donc c'est assez sérieux en fait. Alors bon, moi j'aime bien déconner, donc j'ai fait un livre et un film qui j'espère sont marrants, mais c'est un sujet sérieux. Il y a un livre très bien qui est Glamorama de Bret Easton Ellis. Et à mon avis c'est un tournant dans la littérature sur la mode, parce qu'auparavant la mode reste un truc, comment dire, les romanciers ont toujours décrit les vêtements des personnages, mais ça permet de les définir socialement quoi. Madame Bovary habillée d'une certaine manière comme une petite bourgeoise de province, etc. Chez Proust, il y a des descriptions des vêtements qui sont très brillantes et qui montrent bien un costume un peu usé chez quelqu'un qui est aristocrate mais sans argent, ce genre de choses. À partir de Bret Easton Ellis, il n'y a plus de description des vêtements, mais une liste de marques. Ça veut dire que le monde a changé, en fait. Ça veut dire que tu es défini par ce que tu as, une chemise Dior, un costume Armani et des chaussures Berluti. C'est, je pense, je sais pas de quand date le livre, mais ça doit être la fin des années 90, début du troisième millénaire. Et à partir de là, on est vraiment dans le monde de la publicité, du logo et des marques. C'est ce que j'ai voulu aussi faire dans mon livre et mon film. Le mot qui est commun à littérature et mode, c'est style. C'est assez bizarre et que ce soit le même mot. Mais au fond, on n'arrive jamais tellement à définir ce que c'est que le style, ni en littérature, ni en mode. Pourquoi quelqu'un a du style? Pourquoi un écrivain, on le reconnaît au bout de quelques paragraphes? On sait, quand on lit une page de Modiano, on reconnaît tout de suite ses obsessions, ses thèmes, son vocabulaire. Pareil, tu as des gens qui peuvent aller dans des magasins très chers et s'habiller très mal et n'avoir aucune allure, aucun style. Et puis d'autres qui, avec
quelques petits détails, arriveront à devenir fascinants. Alors, c'est difficile de définir ce que c'est, mais parce que je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, je pense que le style, en fait, c'est d'arriver à réduire la distance entre soi et ce qu'on écrit ou comment on est habillé. Voilà, c'est en fait ça. Quelqu'un qui a du style, c'est quelqu'un qui a trouvé, qui a réussi à briser la carapace, enfin l'impossibilité de savoir qui il est. C'est un peu compliqué, mais vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a, ça met beaucoup de temps, c'est très compliqué, très pénible de savoir qui on est, au fond, et d'arriver à l'écrire ou à l'incarner. Et c'est comme si le naturel, c'était quelque chose qui s'apprenait, en fait. Évidemment, si on me demande quel est mon écrivain irlandais préféré, je vais vite répondre Oscar Wilde, parce que j'ai jamais réussi à terminer Ulysse de Joyce. Mais Oscar Wilde, évidemment, ouais, c'est le dandy absolu, c'est un esprit, c'est un des auteurs les plus intelligents, drôles, méchants, léger et profond à la fois. Donc j'ai une très grande admiration pour Oscar Wilde. Connaissez-vous ses derniers mots? Il était rue des Beaux-Arts à Paris, dans un endroit qui s'appelle l'Hôtel maintenant, où on peut dormir dans sa chambre. Mais à l'époque, l'Hôtel était un endroit totalement pourri. Le quartier de Saint-Germain-des-Prés était un quartier pauvre. C'est ça qui est difficile à imaginer aujourd'hui. Et donc, il était dans un hôtel vraiment pourri, il n'avait plus d'argent, il était très malade, et il a dit, juste avant de mourir, c'est ce papier peint ou moi.